Oriana! Carlos, je tiens absolument à te présenter mes amis. J'ai l'impression de vous connaître, j'ai tellement entendu parler de vous. J'imagine que tu es Iris. Tu es encore plus belle que ce qu'Oriana m'avait dit. Quant à toi, de toute évidence, tu es Talia. La supériorité de ton intelligence se lit dans tes yeux. Waouh! Oriana, tu as vraiment beaucoup de talent, tu sais. Comment tu fais scintiller les tissus comme ça? Oh, c'est rien, juste un petit secret que j'ai appris. Mais rien de tout ça n'aurait été possible si tu ne m'avais pas aidée. Quand on débute dans la mode, c'est bien de s'entraider. Et où sont tes créations, Carlos? On va me les livrer ici, elles devraient pas tarder d'ailleurs. Je suis sûre que vous allez adorer la collection de Carlos. Il travaille si dur, il a tellement de talent. Je te remercie pour le compliment, Oriana. J'ai travaillé des heures et des heures pour pouvoir tout coudre moi-même. Je me suis servi de la machine à coudre de ma grand-mère pour me porter chance. C'est elle qui m'a inspiré. Je suis sûre qu'elle sera très fière de toi aujourd'hui. Bouh ! Après le défilé de ce soir, tu seras le styliste le plus célèbre de Sunny Bay. Oh. Excusez-moi un instant. Oh. Alors, il est pas formidable? Oui, formidable. Les filles, mon pendentif. Carlos? Qu'est-ce qu'il y a? Le camion qui transportait toute ma collection a disparu. Envolé. Tout mon travail s'est volatilisé. Cette collection, c'est toute ma vie. Ne t'inquiète pas. Ne bouge pas d'ici et on va voir ce qu'on peut faire. Tu crois que ton pendentif scintillait à cause de Carlos? Je suppose que oui. C'est pour ça que je lui ai emprunté ça. On va lancer un sort de localisation. Crystal locum ostendere. Amaru, est-ce que tu peux nous y emmener? Italia. Ah, je pense que le chauffeur n'a rien de grave. Oh, j'ai bien peur que Mephisto et Praxina soient passés par là. Oh, oh, hé, les filles, hein? Venez voir les modèles de Carlos, ils sont tous là. Qu'est-ce que les jumeaux comptaient faire avec les vêtements de Carlos? Si c'est les vêtements qu'ils voulaient, ils auraient pu les emporter. Ça n'a pas de sens, enfin. Qui sait? En tout cas, il faut qu'on rapporte ces créations à Carlos et tout de suite. Crystal Solvenda. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais en train de conduire. Ne vous en faites pas. Tout va très bien. Vous vous souvenez? Vous étiez en route pour un défilé de mode à Sunny Bay. Et le défilé va bientôt commencer. Vous nous y emmenez? Me faire porter une de ces robes. Contente-toi de prendre celle qui dégage le plus de magie. Et si tu fais encore tout rater, je te ferai bannir aussi sec au fin fond des mines de Loug. Oh, tu dis ça à chaque fois. Peut-être, mais cette fois, je suis sérieuse. Oh, je ne sais pas pourquoi elle a gaspillé tellement de magie sur ces espèces de chiffons, mais... Oh, oh. Ah.
déjà de retour? Reposez ça immédiatement, ces vêtements ne vous appartiennent pas. Peut-être pas, mais je saurai faire bon usage de leur magie.